Good morgen, allez, Iden le souffre aujourd'hui, les Lunishmat Dov ben Yudith et Veta Amram ben Chedva, Chaya Esther bat Myriam, Mitzrak Perez ben Fortuna et Chaim Michal ben Sultana. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions le Sechat Shabbat, Perekud Alef, Mishnah Dalet. Azorek Bayam, Arba Amot, Patour, Imayara Kakmaim, Urshuta Rabbi Malechet Bo, Azorek Letocho Arba Amot, Chayav, Vekamahura Kakmaim, Pachot Measarat Fachim. Rakak Maim Urshut Arabim Mehalechet Bo Azorek Betocho Arba Amot Chayav. On traduit directement Azorek Bayam Arba Amot. Celui qui jette dans la mer quelque chose sur une distance de 4 Amot. Patour. Il sera dispensé. C'est-à-dire, quelqu'un qui rentrait dans l'eau. Ouais, ou bien qui est sur un bateau, là, ça change vraiment problème. Il est donc dans la mer et il prend quelque chose et le jette à 4 Amot. Une distance, donc il transgresse l'interdit de porter apparemment Shabbat. Eh bien, la Mishnah m'enseigne qu'il est patour. Pour quelle raison? Parce que la mer n'est pas considérée comme un Rishout Arabim, comme une voie publique, mais plutôt comme un Makom Ptour, un endroit qui est. Un Carmélite, plus précisément. Un Carmélite, un endroit qui est, selon la Torah, c'est pas. C'est-à-dire, on va plutôt venir expliquer un petit peu mieux c'est quoi Rishout Arabim et l'intermédiaire. On avait déjà dit que Carmélite, c'est Ke'armelou. Ke'armélite, Ke'armelou. Comme une veuve qui n'est ni mariée ni jeune fille célibataire. Et, c'est-à-dire, en fait, il y a dans la Torah, il y a le Reshut Hayachid, un domaine bien privé, défini, clairement. Et il y a le Reshut Arabim, sans rapport avec la propriété, hein, j'insiste. C'est-à-dire, même si vous êtes dans la rue, il y a un poteau dans le Reshut Arabim, ce sera un Reshut Hayachid. S'il y a un poteau qui fait une distance de 4 Tfachim sur 4 Tfachim, avec une hauteur de 10 amas, même s'il appartient à personne, il appartient. Malgré tout, c'est un statut de Reshut Hayachid. D'accord? Pour le moment, je reviens donc. On a le Reshut Hayachid, c'est un domaine bien défini, distinct, délimité. Et puis, il y a le Reshut Arabim, c'est le côté étendu, indéfini, illimité plutôt, il n'y a pas de barrière. Les gens font ce qu'ils veulent dedans, mais condition inhérente, c'est que ce soit fréquenté par des gens. Par contre, les lieux qui sont complètement désertiques, comment dire par exemple la mer, ou par exemple même le désert, même s'il y en a un même qui ne dit pas comme ça, mais la Gemara le dit comme ça, il y a le désert, c'est pas un lieu où que les gens fréquentent. C'est une grande étendue, mais qui est complètement vide, eh bien, ce ne sont pas considérés comme des Reshut Arabim, ni la mer, ni le désert, mais comme des Carmélites. Comme des Carmélites. Concrètement, selon la Torah, ce sont des Makom Ptour, des endroits où on aurait même le droit de porter, ils sont dispensés complètement. Seulement, comme ils ont quand même une certaine ressemblance avec le Reshut Arabim, les Rahamim ont quand même décrété dessus de ne pas transporter 4 Amot en mer ou dans le désert. Donc de ce fait, il y a un interdit Midera Banan, mais pas Midoraita. Et la Mishnah donc me dit, donc si tu es dans la mer et tu jettes quelque chose à 4 Amot, tu ne transgresses pas l'interdit de porter à Shabbat. Et je continue maintenant. J'ai quand même un petit doute, allez, je vous le dis tout de suite. Dans une plage qui est pour le moment, d'accord, les plages aménagées, où jusqu'à une certaine distance, c'est fréquenté par le public. Je pense que dans ce cas-là, ce sera considéré comme le Reshut Arabim, parce que dans ce cas-là, c'est fréquenté. Logiquement, il faudrait le déduire de la suite de la Mishnah. Pendant que je vous parle, je pense à la question, quoi, mais je préfère ne pas dire d'erreur. Je pense que sur le littoral, quand on est dans une plage aménagée qui est fréquentée par toujours plein de monde, et c'est le même endroit, il est toujours fréquenté, je pense que c'est un statut de Reshut Arabim, il n'y a pas de raison que non. Mais une fois que vous allez plus loin, où c'est plus fréquenté, c'est l'étendue, dans ce cas-là, ça devient un Makom Carmélite. Imaya, maintenant la Mishnah me dit, Imaya Rakak Maim, s'il y avait un petit ruisseau d'eau, Urshut Arabim Alechet Bo, et que le domaine public marche dedans, c'est-à-dire que le commun des hommes, il marche dedans. Ouais, vous imaginez, à notre époque, c'est facile, on est bien habillé proprement, mais à l'époque où il y avait pendant des saisons de pluie, et il y avait, ou bien partait, je sais pas moi, au Bangladesh, ou des saisons comme ça, où il y a l'eau qui monte, et les gens, ils sont pas tellement soigneux sur leur tenue alimentaire. Du coup, il y a un petit ruisseau qui vous passe en pleine rue, ben, les gens le traversent, peut-être des gens un peu douillés, ils vont rester un peu de côté, et ils vont, mais le commun des gens, ils traversent, ils marchent, ils le longent même, c'est pratique, pourquoi pas. Eh bien, c'est ce que la Mishnah me parle. Est-ce que maintenant, le fait qu'il y a un petit cours d'eau, ah, s'il y a de l'eau, est-ce qu'on veut dire que c'est plus considéré comme un Reshut Arabim ou non? Finalement, les gens marchent dedans. La Mishnah enseigne, Azorek le Tocho Arba Amot, Chayav. Celui qui va jeter dans ce petit ruisseau,
il va jeter sur une distance de 4 amot, eh bien, il va transgresser l'interdit de porter à Shabbat, parce que le fait que ce soit un ruisseau ou un petit cours d'eau fréquenté, qui n'est pas profond, comme ce que la Mishnah va continuer à me le dire, eh bien, c'est considéré comme un vrai Reshut Rabim. D'où la déduction par rapport au bord de la plage, où tout le monde va se baigner dedans, logiquement, il n'y a pas de différence. Maintenant, la Mishnah m'enseigne, attention, mais jusque quand je considère qu'un Akakmaïm est considéré comme un petit ruisseau qui peut entrer dans le cadre du Reshut Rabim, Pachot Masat Tfachim, attention, sur une hauteur moins que 10 Tfachim, moins que 1 mètre. Par contre, si un Akakmaïm un peu plus haut, c'est fini, c'est plus un Reshut Rabim, même si concrètement, il y a encore des gens qui marchent dedans, ça n'a plus de statut de Reshut Rabim. D'accord ? Rakakmaïm, maintenant la Mishnah continue en m'enseignant une halakha que vous connaissez déjà, qui est rapportée dans le début de la Mishnah, c'est en soi même une question. Je traduis d'abord les mots. Rakakmaïm ou Reshut Rabim Alechetbo. Si vous avez un petit cours d'eau, un ruisseau d'eau, ou Reshut Rabim Alechetbo, et il y a les Reshut Rabim, le public, la voie publique, mais donc le public qui marche dedans constamment, Azorek Betocho Arba Amot Chayav. S'il y a quelqu'un qui va jeter dedans, sur une distance de 4 Amot, il va être Chayav. Vous allez me dire, c'est une vraie répétition de ce qui a été dit juste avant dans la Mishnah précédente. Effectivement, la Gemara pose la question et conclut qu'il y a ici, on est venu insister pour deux chidushim. Premièrement, pour te dire que même si on parle d'un ruisseau cette fois-ci qui est beaucoup plus large, mais il fait plus que Arba Tfachim, il est vraiment large, et malgré tout, ça peut prendre un statut de Reshut Rabim, premièrement. Et en plus de ça, même si concrètement on va rajouter un petit peu à la sauce, en disant qu'il est large et que les gens ils ont du mal à marcher dedans. C'est-à-dire les petits enfants ils marchent pas dedans, de peur qu'ils vont se faire emporter par exemple. Mais les plus grands ils hésitent pas malgré tout à traverser et à rentrer dedans. Ouais, donc il est moins fréquenté, malgré tout il prend un statut de Reshut Rabim, c'est pour ça qu'on a besoin de répéter la Mishnah pour nous insister sur ces deux halakhot là, qui sont donc d'une part même si le ruisseau est large et même si on ne peut marcher qu'à l'aide d'Adachak, difficilement on mange dedans, malgré tout ce qu'on sait comme un jeu de rabbi. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Adachak, et tout ça.